freue mich sehr, dass Sie trotz dem wunderschönen Wetter so zahlreich zu uns gekommen sind. Im Moment genießt man ja in der Regel die Mittagszeit an der Sonne und nicht bei Sitzung. Es zeigt aber, dass das Thema BÜPF-Revision die Leute interessiert. Und deshalb bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihrem Interesse hier an unserer Veranstaltung der Parlamentarischen Gruppe Digitale Nachhaltigkeit heute präsent zu sein. Das Bundesgesetz betreffend der Überwachung, Post- und Fernmeldewesen ist etwas in die Jahre gekommen. Wie bei anderen Gesetzen auch, ist es nötig, dass das Gesetz revidiert wird. Der Bundesrat hat deshalb am 27. Februar dieses Jahres die Botschaft verabschiedet und im Mai dieses Jahres, also vor etwas mehr als einem Monat, hat die zuständige Rechtskommission des Ständerates das Thema bereits behandelt. Die parlamentarische Diskussion steht noch aus, sowohl im Ständerat wie dann auch im Nationalrat. Und deshalb hat es die Parlamentarische Gruppe Digitale Nachhaltigkeit für wichtig erachtet, hier im Rahmen eines Open Hearings mit Ihnen zusammen das wichtige Thema zu diskutieren. Sie haben es mitbekommen, als die Botschaft verabschiedet worden ist, haben die Jungpartei und die Piratenpartei und viele andere Organisationen nicht gewartet, sondern haben sofort die Alarmglocken geläutet. Achtung, seid vorsichtig, was da auf euch zukommt. Und deshalb glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir hier in einem öffentlichen Meinungsbildungsprozess, deshalb bin ich auch so dankbar, dass so viele engagierte Fachleute bei uns sind, das Thema miteinander diskutieren. Weil die Parlamentarische Gruppe Digitale Nachhaltigkeit sich seriös mit dem Geschäft auseinandersetzen möchte und eben jetzt auch mit Ihnen zusammen Chancen und Risiken zusammen anschauen will. Es geht ja darum, dass die Behörden zukünftig eben mit den neuen Technologien Schritt halten können, wenn Überwachungen notwendig sind. Es wurde uns gesagt, dass nicht mehr, aber besser überwacht werden soll und dass dementsprechend einfach gesetzliche Anpassungen notwendig sind. Und deshalb bin ich sehr dankbar, dass wir heute so hochkarätige Referentinnen und Referenten bei uns haben. Begrüßen Sie bitte mit mir Herrn Patrick Romer. Herr Romer kommt vom Bundesamt für Justiz. Seine Schwerpunkte sind Strafrecht, Strafprozessrecht. Und bevor Sie in Bundesaufgaben beim Justizdepartement eingetreten sind, sind Sie im Eidgenössischen Institut für geistiges Eigentum tätig gewesen. Herr Romer wird zuerst dann eine kurze Einführung in das ganze Thema geben. Anschließend begrüße ich Herrn Andreas Brunner. Herr Brunner ist leitender Oberstaatsanwalt des Kantons Zürich. Dann ist Herr Stefan Blättler bei uns, Kommandant der Kantonspolizei Bern. Und Frau Christa Hoffmann, sie ist Head Regulatory Affairs bei Swissco. Und last but not least, Herr Wolf Aufbermauer, Rechtsanwalt und Vizepräsident des Branchenverbandes Internetwirtschaft, Swiss Internet Industry Association, SIMSA, kurz zusammengefasst. So, jetzt habe ich genug gesprochen. Und ich möchte gleich Herrn Romer das Wort erteilen, um uns ins Thema einzuführen. Besten Dank. Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Parlementaires, Mesdames et Messieurs, comme mon nom ne l'indique pas, je suis langue maternelle française. Donc, je vais vous tenir cette petite présentation succincte en français. Si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, faites-le-moi savoir, j'essaierai de vous expliquer en allemand, ça devrait être tout à fait possible. 10 minutes pour vous faire une présentation, même courte, du projet du Conseil fédéral de révision totale de la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par télécommunication, BÜPF en allemand. C'est extrêmement court. Il s'agit en effet d'une loi relativement longue et complexe, tant du point de vue technique que du point de vue juridique. Avec le temps que j'ai à disposition, je ne pourrai que brièvement aborder quelques morceaux bien spécifiques de cette loi en les simplifiant toutefois passablement. Pour que vous puissiez tout de même en savoir plus, je vous ai préparé une documentation de quelques pages qui en principe devrait être devant vous
et qui explique plus en détail les points principaux du dossier LSCPT. Je dis bien les points principaux parce que pour le détail, il faut bel et bien aller voir dans la loi et dans la Wirtschaft qui fait 100 pages. Je commence donc sans plus tarder et serai relativement rapide. Tout d'abord, le champ d'application matériel de la LSCPT. La surveillance des télécommunications dont on parle ici est fondamentalement prévue dans le code de procédure pénale et est mise en œuvre par la LSCPT. Cette surveillance a les caractéristiques suivantes. Elle est effectuée par les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'une procédure pénale. Elle concerne une personne déterminée lorsqu'il existe de graves soupçons de commission d'une infraction. Elle est ordonnée par le ministère public. Elle est admissible pour un nombre limité d'infractions. Elle doit respecter le principe de la proportionnalité et elle ne peut être exécutée qu'avec l'autorisation d'un tribunal. Ce type de surveillance doit absolument être distingué de celui dont on parle actuellement aux USA en relation avec le programme d'écoute à large échelle PRISM. Cette surveillance des USA est en effet effectuée par les services de renseignement en dehors de toute procédure pénale. Elle a lieu à titre préventif, c'est-à-dire sans l'existence d'un soupçon de commission d'une infraction et elle a lieu à l'encontre de personnes non déterminées. Donc comme vous l'avez compris, à part le fait qu'on parle de surveillance et qu'on parle de données de surveillance, on a affaire à deux choses complètement différentes. Quant au but principal de la LSCPT, il est d'adapter les possibilités de surveillance à l'évolution technique qui a eu lieu ces dernières années. En particulier, l'évolution d'Internet, l'évolution de la téléphonie par Internet et l'augmentation du cryptage des données rendent les surveillances de plus en plus difficiles à effectuer. En fin de compte, il y a lieu de faire en sorte qu'une surveillance ne puisse pas être tenue en échec par le fait que la personne qui communique, la personne surveillée, utilise des nouveaux moyens de télécommunication. Je passe maintenant à deux catégories de personnes, soit les plus principales qui sont dans le champ d'application personnel de la loi. Il y a tout d'abord les fournisseurs de services de télécommunication, Fernmeldedienst, Anbieter en allemand, y compris les fournisseurs d'accès à Internet. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, ce sont des personnes qui figurent déjà dans la loi actuelle. Pour les fournisseurs de services de télécommunication, le principe est le suivant. Ils doivent exécuter les surveillances eux-mêmes, c'est-à-dire ils doivent avoir un comportement actif. Ils doivent en particulier exécuter les surveillances en temps réel, en allemand « Echtzeitüberwachung ». Ça leur permet d'obtenir le contenu des communications. Ils doivent également conserver les données dites secondaires. C'est quoi les données secondaires? En fait, ce sont des données qui sont obtenues dans le cadre d'une surveillance rétroactive et qui ne donnent pas d'indication en tant que telle sur le contenu des télécommunications, mais uniquement sur le fait de savoir qui a été en contact avec qui, quand, pendant combien de temps et d'où. Aujourd'hui, ces données dont je viens de vous parler, les données secondaires, doivent être conservées pendant 6 mois. Le projet du Conseil fédéral propose d'augmenter cette durée à 12 mois. Cette augmentation est en effet jugée nécessaire pour une poursuite pénale efficace, notamment dans le domaine de la pédopornographie, du trafic de stupéfiants, du crime organisé et du terrorisme. Cette augmentation est d'ailleurs demandée par des motions Schwalger et Bartassa, acceptées par le Parlement. Il est important de préciser que le Conseil fédéral peut dispenser des fournisseurs de services de télécommunication de certaines obligations légales. Les personnes qui pourraient être dispensées selon ce régime sont en somme semblables à celles qui aujourd'hui en sont également dispensées.
Il faut aussi noter que les personnes, les fournisseurs de services de télécommunications qui seraient dispensés d'obligation, conservent toutefois l'obligation de tolérer une surveillance et de fournir les données secondaires, donc les randdaten, qu'ils ont à leur disposition. Donc ils doivent fournir les données qu'ils ont à leur disposition, mais ils ne doivent pas les enregistrer, ou les, enfin, ils ne doivent pas les conserver. Comme autre catégorie de personnes, on peut citer ici les fournisseurs de services de communication dérivés. En allemand, ça s'appelle Anbieter abgeleiteter Kommunikationsdienste. Donc, par exemple, hosting providers de toutes sortes et email providers. En résumé, ces personnes se fondent sur des fournisseurs de services de télécommunication pour offrir leurs services, mais se distinguent des fournisseurs de services de télécommunication par le fait qu'elles ne transfèrent pas elles-mêmes des données de communication à partir de l'utilisateur ou à destination de l'utilisateur. Pour ces personnes, le principe est le suivant. Elles doivent tolérer des surveillances exécutées par autrui et elles doivent fournir les données secondaires de télécommunication, toujours les fameuses randdaten, qu'elles ont à leur disposition. Donc, elles ne doivent pas les conserver, mais simplement fournir celles qu'elles ont à leur disposition. C'est d'ailleurs une tâche qu'on peut exiger d'elles sur la base du code de procédure pénale en tant que telle. Exceptionnellement, si cela est nécessaire pour surveiller de manière efficace la correspondance en télécommunication, le projet introduit le droit, la possibilité pour le Conseil fédéral de soumettre les fournisseurs de services de communication dérivés à des obligations supplémentaires. Des obligations qu'ont en principe les fournisseurs de services de télécommunication. Je passe maintenant au stockage des données obtenues dans le cadre de surveillance. Ça, c'est une question qui est encore plus technique, je suis désolé. Ces données ont un volume de plus en plus important, notamment les données qui sont recueillies dans le cadre de surveillance Internet. On atteint des proportions quasi gigantesques. C'est pourquoi le projet du Conseil fédéral propose de passer à la conservation centralisée de longue durée de ces données dans le système informatique du service de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication de la Confédération. C'est le service qui est communément appelé Dienst-UPF et qui relève du département fédéral de justice et police. Avec ce changement de système, les autorités de poursuite pénale pourront désormais accéder en ligne à ces données au lieu de les obtenir comme aujourd'hui par la poste, gravées sur des CD, des dates. Concernant les frais et émoluments, le Conseil fédéral propose de conserver le système actuel, même si dans l'avant-projet, il prévoyait la suppression de l'indemnité versée aux fournisseurs de services de télécommunication. Le projet prévoit entre autres la création d'une base légale permettant d'étendre l'utilisation des dispositifs techniques de surveillance tels que les IMSI catchers. Désormais, on pourra également les utiliser pour l'identification des appareils de communication mobile ou pour les utilisateurs de ceux-ci. Donc, ça fonctionne comment ? En simplifié, on peut dire que les appareils qui se trouve dans le champ de l'IMSI catcher s'annonce et s'identifie auprès de lui comme il le ferait auprès d'une station de base de téléphone mobile, station de base relais NATEL. Les conditions d'utilisation de l'IMSI catcher sont strictes. En particulier, il faut une autorisation préalable de l'OFCOM, BACOM en allemand. Pourquoi ? Parce que ces IMSI catchers sont susceptibles de perturber le trafic des télécommunications. Une autre condition qui doit être remplie, c'est le fait que les autres mesures de surveillance dites classiques n'aient pas donné de résultat, qu'il soit à prévoir que ces surveillances classiques ne donneraient pas de résultat. Donc, les surveillances effectuées au moyen d'IMSI catchers sont subsidiaires par rapport aux mesures de surveillance dites classiques. Pour finir, last but not least, le projet prévoit la création d'une base légale claire permettant d'avoir recours à des programmes informatiques
spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication. Ces programmes sont communément appelés GovWare, Government Software, pour utiliser la version ROM. On cherche ainsi à pouvoir intercepter, lire et transférer des communications non cryptées. Le GovWare est un produit dans le système informatique surveillé, par exemple un PC ou bien un handy, par la police, sur ordre du procureur, afin d'obtenir les données avant qu'elles ne soient cryptées. Ce mode de surveillance, il est vrai, est particulièrement incisif. Ces conditions d'utilisation doivent donc être particulièrement strictes. Le GovWare ne peut donc être utilisé qu'à titre subsidiaire par rapport aux mesures de surveillance de la correspondance par télécommunication dites classiques. Il ne peut être utilisé que pour une partie des infractions pour lesquelles une surveillance classique peut être ordonnée, catalogue d'infractions restreint, et les conditions usuelles relatives aux mesures de surveillance classique, que je vous ai déjà énumérées, doivent être remplies. Je pense en particulier à l'autorisation au contrôle par un tribunal, dans le cas présent, le tribunal des mesures de contrainte. Une dernière chose encore, et après j'en aurai terminé, le recours à des GovWare n'est prévu que pour obtenir des données de télécommunication. Il est donc proposé que les autres données qui auraient pu être obtenues au moyen de GovWare, par exemple lors de la perquisition en ligne d'un ordinateur, surveillance online Hochsuchung, il est prévu que ces données soient détruites et que les informations ainsi recueillies ne puissent pas être exploitées. Voilà, j'ai conscience que c'était extrêmement technique, qui plus est en français. Mais je vous remercie pour votre attention et je vous renvoie à la lecture du document qui vous a été distribué. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Roman, pour votre présentation. Jetzt übergebe ich das Wort unserem Geschäftsführer Matthias Stürmer für die weitere Moderation. Genau, vielen Dank.